Bonjour, je m'appelle Olivier Scala, je suis dégustateur de thé. Je vais vous proposer aujourd'hui la façon de préparer le thé glacé. Il y a deux manières de préparer le thé glacé, je dirais presque la mauvaise et la bonne. Je passe vite sur la mauvaise, qui consiste à préparer le thé de façon très classique, avec de l'eau chaude et à frapper le thé. Cette méthode est très moyenne dans la mesure où le thé trouble très rapidement et a un aspect qui n'est pas très favorable. Il existe une deuxième méthode, beaucoup plus intéressante, qui consiste à préparer le thé à froid. On prend du thé en vrac, qui peut être en sachet aussi, bien entendu, et on met deux fois plus de quantité de thé que pour un thé préparé avec de l'eau chaude. On verse l'eau froide sur les feuilles de thé. Et on va laisser infuser un minimum de 4 ou 5 heures. Mais par exemple, préparer le thé froid le soir pour le lendemain matin est idéal. Il faut savoir que le thé préparé à froid ne développe aucune amertume. Voilà, le thé a infusé plusieurs heures. Comme vous voyez, il est parfaitement limpide. On le verra encore mieux en le versant dans les verres. On retire le filtre et vous pouvez verser immédiatement. Si vous souhaitez, vous pouvez le laisser au réfrigérateur quelques heures encore pour qu'il soit encore plus frais. Là, il est simplement à température ambiante. Et vous avez un thé qui restitue toutes les saveurs du thé choisi initialement et qui va rester d'une parfaite limpidité pendant plusieurs jours, si nécessaire. Vous pouvez déguster le thé tel quel ou, si vous le souhaitez, l'agrémenter de morceaux de fruits, voire de sucre. C'est selon votre goût. Voilà, vous connaissez maintenant la meilleure méthode de préparation du thé glacé. Comme vous voyez, elle est aussi simple et aussi pratique que possible.